grande vertu. Alors, donc, il faut l'humilité dans notre vie pour que puisse croître au travers de nos différentes activités tout ce que nous faisons. Mais celui qui manque d'humilité, eh bien, c'est clair que risque de rencontrer beaucoup de choses. Nous sommes humbles, la terre. Nous sommes terre, la terre. Nous marchons ciel, non? Est-ce que la terre se plaint? Non. Nous crachons sur la terre, non? Non. Est-ce que nous acceptons qu'on crache chez nous? Non. Est-ce que nous acceptons qu'on marche chez nous? Non. Mais comment est-ce que nous pouvons ressembler à la terre qui est notre mère, qui nous nourrit? Voilà. Donc, c'est tout en acceptant de devenir humble, devenir humus, que nous allons voir notre vie prospérer, nous allons avoir la longévité et nous allons avoir la santé. Mais moi, là, j'ai 6 points. Hein. Le reste, hein, j'ai la piété, la longévité, la santé, la prospérité, la fraternité, l'humilité. Oui. Santé, longévité, prospérité, piété, fraternité, bonté. Oui. Ah, la bonté, oui. La bonté. Oui, la fameuse bonté. Voilà. D'accord. Quel est votre mot de fin? Et puis, un téléphone. Alors, le mot de fin, quand nous adressons les vœux pour que nous souhaitons que les personnes qui nous entourent, c'est clair que si ces personnes ne sont pas bien, ça risque de réjaillir sur nous. Alors, si je ne souhaite pas que Mariam ait beaucoup d'argent, il ne faudrait pas que ce soit supplié que Mariam vienne m'en demander. C'est ça. Donc, si je souhaite tous les 7 bontés, les 7 vœux à Mariam, c'est pour que moi aussi je sois aussi bien. Parce que si Mariam est bien, Mariam ne va pas m'embêter. Celui qui embête dans une société est une personne embêtée elle-même. Celui qui dérange est une personne qui est dérangée. Donc si Mariam est bien équilibrée, c'est clair que moi aussi serai équilibré. Tout le monde aussi sera équilibré. Chacun se suffit. Donc, chacun se suffit. Donc acceptons que les autres soient bien. Les autres aussi vont accepter que nous soyons bien. D'accord. Et puis, nous allons faire évoluer notre société, nous allons faire évoluer nos propres familles. Évitons la jalousie, la mesquinerie, ça ne sert à rien. Plus on devient gris, plus on se crée pas mal de maladies, pas mal d'échecs. Voilà. Il faut être positif dans la vie. Alors, 3 fois 45, 49, 45, 45, 45, 49. Encore une fois, à cause de vous, la nuit, je vais fermer mon portable. À 2h du matin, il faut régler des problèmes de couple. Oh, d'accord. Oui. Mais c'est vrai, c'est quelquefois c'est difficile. La dame ne sait pas que faire. Parce que elle est le conseiller. À 2h du matin, elle vous appelle. C'est vous le conseiller là. Voici ce qui se passe en ce moment. Et quelle décision je dois prendre. Mais quand on vous connaît, on sait que vous avez la bonté, la piété. Oui. Donc. Mais c'est vraiment pas évident. Et votre don, justement, c'est d'aider la personne en souffrance. C'est d'être au service des autres. Mais quelquefois, on a aussi besoin de pouvoir se reposer. Si vous savez que vous pouvez différer l'appel à une assez raisonnable, c'est bon. Voilà. N'empêche que le cellulaire reste ouvert 45 45 45 49. Sachons garder. Si vous voulez être heureux, permettez qu'il soit aussi heureux. Tout c'est quand il serait heureux vrai, que je pourrais aussi mieux vous aider. Tout à fait, ça c'est vrai. Hein? Voilà. Merci à vous. Merci. Monsieur Andinko est notre transition suivante et nous recevons notre dessin. Hommage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Djalo Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua. Tu m'as promis le voyage. Papa est.
Seigneur, je veux rouler dans de belles voitures. Je veux dormir dans Villa O. Seigneur, je veux connaître Paris. Je veux faire escale à Londres, transiter en Amérique, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Amérique, je veux parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Je veux connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Maman Yolande, ou bien papa, papa, tu m'as promis la réussite. Papa, papa, tu m'as promis le succès. Alors, nous recevons chef Zoumana Sangaré. Bonjour. Et monsieur Issa Diakité, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Merci madame. Nous sommes venus au studio ce midi pour présenter notre mutuelle de développement de Tiemba dans la région du Foulon, département de Minia. L'objectif principal aujourd'hui, c'est de préparer la fête du Maouloud, afin que nous puissions exhorter tous les ressortissants de ce village, de cette localité, à se rendre nombreux du 10 au 15 janvier dans ce village-là, pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez comme programme? Bon, d'abord, il y aura un convoi qui partira d'ici le samedi 11 janvier. Et le 12, il y aura l'accueil. Et à partir de 15 heures, une mini-veillée. Et à partir de 21 heures, une veillée pour parler un peu de la vie du prophète Mahomet. D'accord. À tous les venants et à tous les sachants. Mmh. Ensuite? Ensuite, le lendemain, nous allons rendre visite à toutes les notabilités. Et parler aussi, tenir une réunion au village pour présenter notre mutuelle à tous ceux qui sont qui viennent d'ailleurs, notamment de Boaké, de Daloa, de Gagnoua, de Saint-Fra, de Saïwa et autres. Mm-hmm. Voilà. Et après maintenant, le vendredi 17 janvier, tous nos pèlerins ont effectué le pèlerinage en lieu saint au titre de l'édition 2013. Nous allons organiser une cérémonie pour tous ces pèlerins-là. Voilà, leur souhaiter la bienvenue et aussi chercher de leur côté les bénédictions pour le village, pour nous les ressortissants, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que c'est où? Nous sommes à Tiemba, à 15 km de Minia, sur l'axe Minia-Benzou-Sokoro, dans la région du Foulon, mais département de Minia. D'accord. Et le chef Zoumana Sangaré? Oui, c'est lui qui va traduire et exhorter les gens. D'accord, on va venir. Mais je suis un homme. D'accord, merci. Quel est votre mot de fin et puis de téléphone? Bon, nous exhortons tous nos frères, toutes nos sœurs, et qu'ils soient de Minia,
qu'ils soient de Sokoro, qu'ils soient de Lengekro, qu'ils soient de Benzou, qui viennent s'associer, s'ajoindre à nous, afin que nous puissions fêter dans l'allégresse, dans la joie. Mais c'est aussi un appel à tous nos frères, que j'appellerai entre guillemets la diaspora, afin qu'ils viennent connaître le village, s'imprégner des activités que nous menons, à savoir les activités de développement à caractère social et tout ça, l'école, l'électrification, l'adduction d'eau, la mise en valeur des bas-fonds, etc. Bon, les très numéros. Bien. Oui, allez-y. Moi-même, 09 45 13 06, Zoumana 45 05 23 30. Mais celui qui est chargé d'organiser le convoi, c'est M. Yakoro Diakité, 08 76 48 76. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci bien. Merci. Monsieur Hachi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez de grandes croisades, de guérison et de délivrance. Effectivement. Mm-hmm. Bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens. Je suis là ce matin pour annoncer les grandes croisades de guérison, de délivrance, de puissance, de déblocage, de révélation, de solutions aux problèmes, de foi, de miracles et de salut avec la mission mondiale de Jésus-Christ. Alors voici les thèmes de nos grandes croisades. Comment être délivré des maladies incurables, des envoûtements, des ensorcelements, des blocages, des échecs, des insuccès, du chômage, de la pauvreté et autres problèmes par la puissance suprême de Jésus-Christ. Comment sortir vainqueur devant tout ennemi, tout adversaire et tout problème, toute situation. Nous parlons aussi du dévoilement des secrets occultes et mystiques, les ruses et les secrets de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme, du mysticisme, de la magie, de l'astrologie, de la parapsychologie, du médiumnisme et autres, et les ordres occultes et mystiques, exotériques. Et les sociétés secrètes, et comment les vaincre par la puissance suprême de Jésus-Christ, et pourquoi ne pas les pratiquer, ni consulter les pratiquants selon Dieu dans la Bible, les mots des crimes, bien sûr, des ruses et des conséquences maléfiques. Il y a des témoignages des grands sorciers, fétichos, occultistes, mystiques, magiciens, astrologues, parapsychologues et autres pratiquants délivrés par Jésus-Christ. Il y a aussi les preuves de l'existence de Dieu, la divinité, la vérité, la scientificité, l'historicité du contenu biblique, la connaissance de la vérité sur le monde de l'origine à la fin, bien sûr, et le salut de l'homme. Nous parlons aussi de sujets tels que la réalité après la mort, les témoignages concordants des morts revenus à la vie, du paradis et de l'enfer, et le salut de l'homme. Il y a aussi le sujet à savoir comment recevoir le Saint-Esprit et les dons spirituels de guérison, les dons spirituels de guérison, de miracles et autres, et comment opérer les miracles au nom de Jésus-Christ. Comment réussir aux examens concours et obtenir un emploi de façon sûre? Comment créer une entreprise à partir du rien et en sortir une très grande prospérité? Alors nous parlons aussi des affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels. Mm-hmm. Nous parlons aussi des grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problèmes d'emploi, de problèmes d'entreprise, de problèmes de réussite dans la vie, de problèmes d'argent. D'accord. Et les solutions aux problèmes, à savoir les guérisons vis-à-vis des maladies incurables ou persistantes, les déblocages, les réussites et autres. Nous avons un CD disponible, je le dis, un CD d'affaires, tous ceux qui veulent créer une affaire. Et nous avons toujours l'habitude de dire que quiconque écoute ce CD et qui a moins de 2000 francs par mois n'aura pas la conscience tranquille. Alors pour nous rencontrer dans nos différents lieux de croisade, nous invitons tout le monde, tous les malades, tous les infimes, tous ceux qui ont un problème quelconque et tout le monde à l'intérieur, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire sans exception, c'est à la mairie tous les dimanches matin et dans tous les villages de Côte d'Ivoire sans exception, c'est à l'école primaire avec projection vidéo ou bien sûr voir l'indication. Abidjan, c'est nous sommes dans toutes les communes d'Abidjan s'il tous les dimanches matin. À Cocody, c'est aux deux plateaux près de l'ENA Villa, au Koudjedjé, tous les samedis, tous les dimanches matin. À Yupougon, c'est à la salle des fêtes du Nouveau Quartier, tous les mercredis à 18h et le dimanche matin. À Bobo, c'est à la cité universitaire près de Cache Ivoire, tous les jeudis à 18h et le dimanche matin. À Kumasi, c'est en face de la Fondation Prodomo. Désolé, conclusion, point final. Voilà, alors, pour nous joindre à notre numéro de téléphone, consultez bien sûr notre site internet, le www.okoudjedjé.com. Notre téléphone, c'est le 05 06 71 70 05 06 71 70. Mola, bonjour. Bonjour, Mariam, bonne année. Bonne année. Ah, c'est pas facile. Quelles sont les nouvelles? Il y a de très bonnes nouvelles. Hein. L'année, je souhaite... Souhaiter bonne année aussi à tous mes compatriotes, à ceux d'ailleurs qui nous regardent, à toi aussi, merci. À tous les travailleurs de cette grande maison. Mm-hmm. Bon, rien de nouveau, je passe ici pour dire que je viens d'ouvrir ma boîte de nuit qui s'appelle Solferino, c'est ouvert depuis le 21 décembre.
Mais vu mon calendrier, on ne pouvait pas... Vu mon calendrier. Trop sollicité et tout. Ouais, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ça fait 11 ans que ça dure. D'accord. Dieu merci. Dieu merci. Donc, juste annoncé aujourd'hui, et puis en présence de tous mes managers, en tout cas ceux qui travaillent là-bas, une partie du personnel, dit qu'aujourd'hui, il y a l'anniversaire de Niaï Côte d'Ivoire, un jeune qui soutient la culture au niveau... Donc c'est pour le Mola même la boîte. Ouais, c'est ma boîte de nuit. Je viens aujourd'hui, je suis venu avec une partie de l'équipe managériale pour les prochaines fois. C'est eux qui viendront annoncer les événements. Mmh. Bon, donc c'est ouvert, c'est le Solferino, si au ex Gargamel, ex Whisky à Gogo, ex Nox, voilà, si au Carrefour de Cinéma Entente. Bon, c'est pour l'anniversaire de Niaï Côte d'Ivoire, voilà, sommité culturel en tout cas dans le milieu du showbiz entre nous en tout cas. Mmh. Et aujourd'hui sont invités DJ Mix, DJ Léo, Claire Bailly, il y a des Zouglou aussi, Yabongo, Lova, Ronaldo N9, ils seront tous de la partie. Et moi-même, bien sûr, c'est ma boîte, donc je suis obligé de danser aussi. ce soir, donc le feu. Et quelle est la capacité d'accueil Bon, nous, on sait que debout, on prend 500 personnes à peu près. Et depuis qu'on a ouvert, franchement, ça fait le plein. Je tiens ici aussi à remercier tous les gens qui sont passés, tous ceux qui nous soutiennent vraiment. Et désolé de n'être pas venu plus tôt, mais voilà, c'est le travail aussi. Et les personnes qui sont là qui donc, c'est un contact. Marco Donati, il travaille à notre sein. Chouchou Fefe et manager Jesse, ils travaillent là-bas. Bon, on a 30 personnes. Ils font partie des managers. Il y a 30 personnes qui travaillent en tout cas dans les lieux. Oui, quand même, il faut. Voilà. On tient à la propriété. Et puis, ça donne du travail à mes frères. Donc, c'est important. D'accord. Très bien. Et c'est où exactement? Donc, ça s'appelle le Solferino. Ne me demandez pas pourquoi le nom, parce que j'ai demandé sur Facebook à mes fans, j'ai eu 1000 commentaires. Donc, c'est impossible. C'est un de mes amis qui m'a donné le nom. Donc, c'est si à La Race, en tout cas, au Carrefour, au Cinéma Entente, à Trècheville, ex Gargamel, ex Nox, c'est une boîte de nuit de référence, tout le monde connaît. On a tout cassé, on a tout repris. 500 personnes, c'est pas rien du tout. En tout cas, on compte sur vous. D'accord. C'est ce soir. Et on a ouvert tous les jours, sauf le lundi et le mardi. Donc, c'est pas tous les jours alors. Non, c'est pas tous les jours. Il faut se reposer des fois. Il faut donner un peu de congé aux gens. D'accord. Donc, c'est ouvert mercredi. À partir du mercredi, nous sommes ouverts. Mercredi, jeudi, c'est la soirée des managers. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est les week-ends normaux. Mmh. Et le dimanche, on a le Zouglou l'après-midi. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est bouclé. C'est la culture qui gagne. Mmh. Le dimanche, à partir de 18h, on a le Zouglou jusqu'au soir. Voilà. D'accord. Donc, pour les contacts, il y a le numéro de manager Donati, 47 75 78 40. Le numéro de Chouchou Fefe, 06 41 30 58. Le numéro de Mola, je ne donne pas. Ah, les gens étaient prêts, hein, ils étaient prêts à chauffer. En tout cas, je passe pour parler de la boîte, mais bonne année à tous. Vraiment, merci pour l'accueil, merci à la télévision ivoirienne de nous soutenir. Merci Mola. Voilà. Et félicitations. Merci, on essaie. Madame Kouadio, maintenant, Jeannette. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Djeti. 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 Ah, ça, c'est un exercice de langue. Djeti. Oui. On va avoir des belles dents, si vous dire ça. Martial, vous êtes. Vous nous parlez de la première édition de Campus Game. On vous écoute. Ok. Campus Game, c'est la première édition cette année. Et Campus Game, c'est dans le cadre de la redynamisation. Des activités socio-culturelles et sportives sur les campus universitaires de la Côte d'Ivoire. Très bien, mais qu'est-ce que c'est Campus Game? Campus Game, c'est un ensemble de jeux, des activités, comme je l'ai si bien signifié tout à l'heure, que en collaboration, les différents cours des universités de Côte d'Ivoire en collaboration avec la DGES, qui est la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, ont décidé de faire... comment on appelle cette édition, de lancer cette première édition du Campus Game pour pouvoir, ne serait-ce que réjouir un temps soit peu. Tout ça, on est d'accord. Mais on fait quoi, Campus Game? Campus Game, ce sont des programmes de football, de scribble, de théâtre et tout ce qui est petite activité en Côte d'Ivoire que nous connaissons, que nous organisons. D'accord. Sur le campus. Sur le campus. Pour les étudiants. Pour les étudiants. Oui. D'accord. L'objectif, c'est le divertissement. C'est le divertissement, oui. Le divertissement après les études. Après les études. Et c'est à quelle période que vous organisez ça? On organise ça sur 2 semaines. C'est du 10. Ça démarre le 10 janvier pour le campus de Dalloa et ça se termine bien sûr à Abidjan avec les campus de l'université de Félix Houphouët-Boigny et Nangère-Beauvoir le 18 janvier. Très bien. Et vous, monsieur Djeti? Oui, bon, moi c'est pour
parler précisément du programme de Daloa. Allez-y. Parce que nous venons de Daloa pour ça. Bon, à Daloa, il y a deux événements majeurs ce jour-là. Il y a la course populaire et puis le concert à Daloa. D'abord, il faut dire que la course populaire, d'abord, va commencer, le cross populaire va commencer déjà à partir de 9h30. Mm-hmm. Et à ce cross, pourront participer, les étudiants vont participer, mm-hmm. comme les militaires, les gendarmes, pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Et le soir, pour couronner le tout, à partir de 16h déjà, il y a un concert. Mm-hmm. Et ce concert-là verra la présence effective du Moula mm-hmm. et des garagistes qui sont déjà en partance pour Daloa. Très bien. D'accord, donc c'est sur beaucoup de jours, hein? Oui, c'est sur bon, beaucoup de jours, mais pratiquement c'est les week-ends puisqu'on doit faire des cours. D'accord. Donc on prend le vendredi et les samedis. Samedi. Donc au niveau de Daloa, c'est le vendredi 10. Au niveau de l'université de Korogo, c'est le samedi 11. Et le vendredi 17, c'est la grande université Alassane Draman Ouattara du Boaké. Et enfin, les universités de Abidjan, les universités publiques d'Abidjan, Nangui Abouboua et Félix Soufouboigny. Votre mot de fin et puis le téléphone. Notre mot de fin, c'est qu'on invite les étudiants, les étudiantes à venir participer à cette première édition et évidemment les populations de ces villes universitaires à venir également participer à cette opération parce que c'est pour eux qu'on veut faire ces activités. Donc, c'est payant? Non, c'est pas payant, c'est ouvert au grand public, c'est gratuit. Tout ce qu'il faut faire, il faut faire le déplacement pour venir sur le campus. C'est tout l'effort que ce public-là doit faire. C'est tout. D'accord. Maintenant, les contacts, il y a le 02, le 06, le 29, le 48, concernant les autres universités, c'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent des informations. Maintenant, pour Daloa précisément, il y a le 08, 35, 52, 28 et le 57, 75, 75, 94. D'accord. Pour tous ceux qui veulent nous joindre pour pouvoir participer à cette grande activité qu'on organise pour la première fois à Daloa. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça va pour le coup. Oui, bonjour Tata. Alors, vous nous parlez du mythique club de Yopougon. Oui. Il y aura un événement. Un événement. Aha. Vraiment. Très grand. Très grand. Je suis très content parce que ce soir va se passer du côté de la rue Princesse quelque chose d'extraordinaire. Oui, l'événement le plus médiatisé en ce moment en Côte d'Ivoire. Ce soir, il n'y a pas d'autre soirée ailleurs. Au mythique club, la fête va se passer. Ce sera le giga anniversaire du Mythic Club. Pendant un an, on a passé de très bons moments au Mythic Club. Il y a eu la fête au Mythic Club. Les gens ont aimé le Mythic Club. Ils nous ont adoptés. Aujourd'hui, nous allons honorer tous ceux qui vont venir au Mythic Club à partir de 22h. Le giga anniversaire du Mythic Club en démarre. Ce soir, ce jeudi 9 janvier à partir de 22h. Quand je parle du Mythic Club, je vais parler de la cave aussi et du resto. Bon, je ne vais pas du mythique groupe. Un an, déjà, ça se fait. Et pour ce soir, on a invité un grand groupe. Ils font la fierté de la musique ivoirienne, des faiseurs de zouglou, deux jeunes gens pétris de talent. Ils seront au Mythique Club à partir de 22h. Ils auront pu être là, mais là, ils sont en répétition. Il s'agit bel et bien du groupe Espoir 2000. On va frapper fort ce soir. Espoir 2000 sera au Mythique Club. Je confirme qu'ils seront là à partir de 22h pour vous donner un concert. Ce sera un véritable concert ce soir. Ce ne sera pas un mini-concert, mais un vrai concert. D'accord. Son, lumière, c'est une piste lumineuse. Vraiment, il ne faut pas rater l'occasion. Giga anniversaire du Mythique ce soir avec le groupe Espoir 2000. Et puis, demain, vendredi 10 janvier, la soirée coupée décalée. Claire Bailly sera en prestation au Mythic Club. Ça sera un véritable concert. Là, vous frappez fort. Hein? Franchement, Claire Bailly vient avec des nouveaux parts de danse, une nouvelle manière de danser. Venez, vous allez voir Claire Bailly. Elle est là pour confirmer que demain, là, vraiment, ça va tuer. N'est-ce pas, Claire Bailly? Ben oui, bien sûr, c'est demain. On est là pour l'anniversaire, giga anniversaire mondial, l'incroyable anniversaire du Mythic Club demain. Et c'est bien sûr à Yopougon. Voilà, on n'a plus besoin de pub, hein, parce que le Mythic Club, c'est tout le temps, chaque semaine. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Mythic Club, les temps passent vite. Oui. Voilà, Mythic Club, déjà. Voilà, déjà. Donc j'invite toute la population de Yopougon et d'Abidjan. Venez voir Claire Bailly, comme je l'ai dit. L'un de plus, je dirais, c'est les cacatos avec les nouveaux danseurs de Claire Bailly. Et je profite de mes meilleurs vœux. Bonne heureuse
cette année parce que je crois que c'est ma première télé pour cette nouvelle année de 2014. Voilà, et meilleurs vœux à tout à RTI, voilà, à toutes ces personnes, à tous ceux qui sont là, qui soutiennent le coupé décalé et le mouvement de la musique ivoirienne. Voilà, meilleurs vœux à tout le monde. Et puis ceci, demain, Demain, c'est Claire Bailly. Claire Bailly demain, et puis le samedi sera le Mythique Folie avec les grands DJ, les DJ de renom. Ils vont faire une démonstration sur une platine. Vraiment, ça sera époustouflant, ça sera phénoménal, ça sera extraordinaire. La folie du Mythique, il faut venir samedi aussi au Mythique. Et l'apothéose, l'apothéose c'est dimanche avec le groupe Motemba Pembe. Douglas l'ingénieur nous promet un spectacle d'enfer. Il ne faut pas rater l'occasion, il aura aussi une autre soirée avec Digui Chagui Charouf, et puis à l'appui en défilé de lingerie, on a envoyé des mannequins burundaises. C'est des burundaises, elles sont au nombre de 15, 1m95 avec des ventres bien plats là, elles vont nous faire un véritable défilé de lingerie. Donc, il faut imaginer un peu ce qui va se passer. Mais ce jeudi-là, il y aura aussi un défilé de lingerie. Miss Mouna viendra avec les rwandaises. On a des Guinéennes, des Ivoiriennes et des Burundaises. Je l'écoute. Franchement, et les Rwandaises, je crois aussi, quoi. Burundaise, Guinéenne, Ivoirienne, Rwandaise. Elles viennent faire un défilé. C'est là, il y a des ventes plats. Ventre nous, plat. Nous n'avons pas les ventes plats. Vous n'avez pas ventre plat ce soir. D'accord, c'est un Mythique Club voilà, ce soir. Voilà, donc le groupe Espoir D'accord, 2000, très bien. Le concert, c'est ce soir, l'anniversaire demain, il faut venir. Et puis Laura et Messie de Mouton le dimanche pour D'accord, clôturer très la bien. Fête. Merci. Le tapis rouge sera déballé ce soir à partir de 22h. Rendez-vous au Mythique Club. Oui, c'est ça, on va venir voir les présents pour les ventes plats. Oui. Tout ça, c'est quand pour les ventes plats. Ventre plat, c'est aujourd'hui et dimanche. D'accord. 1m95. En plus, nous, on n'en fait que 72. Oui, on va venir voir tout ça. Bien habillé, bien mis comme maman. Oui, mais moi, je n'ai pas les ventes plats. Vous pouvez aller voir ventes plats. Toi, tu es doté d'une beauté méchante. Franchement. Voilà, c'est ça que j'aime, Tchalakou. Voilà, tu as des yeux qui scintillent. Les yeux qui sont différents pour ceux qui vous font boigner. Et les lèvres de nouveau-né, la poitrine vient de développer. Et puis un passant de guêpe, tout ça. Et puis je suis des belles ondes de fées. Donc tu es une fée. Ouais, c'est ouais. Ça c'est. Voilà. Mais quand on voit des gens comme les Claire Bailly aussi. Non, bon. Lui, Claire Bailly, c'est 1m92. Tu as vu ça? Voilà. Bon, alors c'était. Donc c'était pour le Mythique Club, même dès ce soir. Hein. Dès ce soir, Espoir 2000. Téléphone. Vous pouvez taper le 07 31 94 51, Bacchus Lulu, super manager. Ou bien le 48 09 02 17 Arnaud Manaja, ou celui de Tchalakou le King, le 07 73 55 63. 07 73 55 63. D'accord. Le numéro de Tchalakou le King, rendez-vous ce soir avec Espoir 2000. Joyeux anniversaire, le Mythique. Merci à vous. Et puis merci. Demain, Claire Bailly. Souman Gourou, bonjour. Bonjour. Ventre plat aussi à lui chez Wata? Non. Ventre plat, non, ventre plutôt vide. Okay. Pour venir beaucoup manger à l'anniversaire de Pacom Chocoto. Très c'est bien. Encore mieux. D'accord. Plat, on préfère vite. D'accord. Là, on sait qu'on va. Et lui, Chawata, là, c'est l'établissement de qui? Et Kijivara, qui est juste à mes côtés, qui vient là, à peine sont d'arriver. Tous des hommes d'affaires maintenant, oui. C'est bien ça. À peine d'arriver, de tourner. En fait, il a laissé la gérance avec ses éléments, ses managers. Et donc, il y a quelques semaines, quelques mois de tournée sur l'Hexagone. Il est de retour pour D'accord. mettre de l'ordre. Pas pour dire qu'il y avait du désordre. Ah, mais on dirait. Mettre de l'ordre dans le bon sens. Ok, donc il est de retour, D'accord. juste pour assister et porter assistance à l'anniversaire, l'inévitable anniversaire de l'un de ses danseurs, qui aujourd'hui est chanteur, Pacom Chocoto, qui est juste en face de moi. Et il faut le rappeler que cet anniversaire est prévu pour ce jeudi, à partir de 21h, jeudi 9 janvier 2014, sur le coup de 21h à l'île Chawata. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île Chawata, nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, juste à côté du 35e arrondissement. Et donc, à cette occasion, ce n'est pas donné à tout le monde de voir un an de plus ou d'avoir un an de plus. Quand l'occasion se présente à vous, je pense bien qu'il faut s'entourer de moyens, il faut se donner l'occasion de faire D'accord. appel. Les personnes qui vous accompagnent, on en parle. Kijivara, qui fera partie des artistes invités. Claire Bailly juste en face de moi. Et Pacom Chocoto, qui est le concerné, qui aura un an de plus ce soir. Et donc, il a sollicité ces messieurs et dames pour donner en tout cas à lui et D'accord. prestations à son anniversaire, raison pour laquelle je disais tantôt, quand l'occasion se présente D'accord, à vous... on va vous prendre quelques mots. Excusez-moi. Ben, okay, bonjour, ça. Bonjour, maman. Moi, je tiens à inviter tout le monde. Je confirme ma présence ce soir et puis je dis que voilà, je suis sur Abidjan, donc venez ce soir. Hier, c'était mon premier show quelque part d'une boîte de la place. C'était vraiment très, très bon. Ce soir, venez pour la confirmation. Je suis là.
Je serai là à l'Ishawata comme tous les soirs. Donc venez le soir, c'est l'anniversaire de mon fils, Pacom Chokoto. Et il y aura la présence de plusieurs artistes tels que Claire Bailly, Rico et puis plein d'autres, Tabou Nidal, toute la grande famille coupée décalée. Donc j'invite tout le monde à venir ce soir. Voilà. D'accord. Bon, de rappeler la localisation, s'il vous plaît, encore. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, juste à côté du 35e arrondissement. En plus des artistes, il y aura des parrains, à l'image de Bloco le Pichichi, Mamadi la Puissance, No Limit, Mousko le Milliardaire, Garo Asbania, Ahmed Silla de Houston, Seigneur Chechemaru, Blanchard la Flamme Héros, Kana le Silencieux, Bébé Ministre l'Original, Debeka le Pacha, Sultan Fernand et Kadek Keita l'International. Footballeur Made in Côte d'Ivoire qui sera également de la fête pour dire que Pacom Chokoto s'est donné les moyens pour que cette cérémonie d'anniversaire à l'honneur de sa personne soit en tout cas de taille. Il va falloir se déplacer comme une seule personne pour venir applaudir et éteindre la bougie de Pacom Chokoto ensemble. Il y aura du beau monde, il y aura également à manger, gâteau, méchoui. Là, il sera obligé d'aller chercher dans le papier de la RT. Ok, je vais voir, maman. Vous avez le 01-01-41-85, je reprends, 01-01-41-85. Et la soirée, c'est Yaya Cassé-Tête, suivi de l'anniversaire de plutôt Pacom Chokoto, et signé des mains de Dempsey, le penseur. Merci à vous. Merci. Monsieur Soumangou. Non, monsieur Soumangou, rien n'est fini. Mais justement, tu me traumatises. Charlie, bonjour. C'est la soirée prestige au Mix Night Club. Avant de passer à ma petite annonce, je veux souhaiter comme ça lever le meilleur. Merci. Dans tout ce que vous voulez dans votre vie. Et profitez aussi pour souhaiter les meilleurs voeux à toute la nation ivoirienne, ceux qui me regardent et surtout à la grande famille du Mix, la clientèle du Mix en l'occurrence, Chouchou Eve Yasko de Paris, comme ça, Ulrich Dubois, et annoncer à tous ceux qui sont les fans du Mix Night Club que le Mix Night Club promet quelque chose de grand en 2014 qu'ils n'ont jamais vu dans une boîte de nuit avec la conjugaison des forces des Eve, de Clem sur la Merveille, de Ahmed Manadja, de Sylvain et de Marco, et surtout moi encore à l'appui, qui redonne quelque chose de grand. Et ça va commencer déjà aujourd'hui, jeudi, avec la grande soirée prestige. Vous aurez en prestation celui qu'on appelle Débordé du Koufa. En temps normal, il devait être là aujourd'hui, mais il a dit, bon Charlie, je chante mes premiers pour le soir, parce que c'est mon premier spectacle en 2014 au Miss Night Club, donc je dois donner quelque chose de grand. Et chaque fois qu'il passe au Miss Night Club, on sait, il boue la salle. Il boue la salle. Donc, s'il va faire que aujourd'hui, ne rate jamais cette soirée, la soirée à Débordé Likoufa. Et pour tout contact, vous avez le 65 16 03 03 ou le 47 36 66 87. C'est au Mix Night Club en zone 4. Et où exactement, rue? À la rue Docteur Blanchard. Donc, bon, toujours quand je t'invite, vous ne venez pas. Bon, là, je ne sais pas maintenant. C'est 2014, j'espère que vous-même, vous êtes au platine? Moi? Bon. De temps en temps. Oui, de temps en temps. J'ai déjà vu la journée en entreprise. Oui, exactement. Ah, donc, double casquette. Exactement. Non, vous savez, le métier de DJ, c'est un dada pour moi, c'est une passion. Ah, voilà. D'accord. Voilà, c'est une passion pour moi. C'est comme vous voyez Usain Bolt, vous voyez aujourd'hui aussi certains stars aujourd'hui qui jouent au DJ, ils en ont leur activité principale. Très bien. Oui, exactement. C'est tout à votre honneur. Ouais. Merci bien, c'est gentil. Le téléphone 65 16 03 03 et le 47 37 66 87. Vous aurez un show inédit avec Débordé Likoufa ce soir au Mix Night Club. Merci, ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, Mariam. Montana, bonjour. Tata Mariam. Moulou Koukou, bonjour. Bonjour, Mariam. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. D'abord, on va dire merci à Dieu parce que... Avec la permission, on va féliciter Moulou Koukou, voilà, parce que désormais c'est bon. Et puis encore les bonnes nouvelles continuent d'arriver pour lui, parce qu'en plus d'être désormais Monsieur Moulou Koukou, si je dois m'exprimer. Ah, okay. C'est pas Madame Moulou Koukou, c'est Monsieur Moulou Koukou, d'accord. Donc Moulou Koukou, c'est celui-là même qui vous attend. Qui vous attend le vendredi et le samedi, vendredi 10 et samedi 11 au complexe sportif Gessé Jackson de Yopougon. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, c'est Wendy & Co. qui, en partenariat avec Guinness, a décidé comme ça de dire merci à ceux-là même qui ont cru en la greatness, à ceux-là même qui, chaque jour, apportent un verre de plus à leur consommation. Raison pour laquelle on a eu bonne année 2013 qui s'est tenue sur un seul jour. Et cette fois-ci, bonne année 2014 se tiendra sur deux jours, vendredi 10, samedi 11. Le vendredi, c'est tous les meilleurs du coupé décalé qui se produiront, voilà, sur le podium géant. Il y en a qui donneront des prestations en playback et d'autres feront du live, notamment Baby Philippe, Digemis, Ke Guevara, etc. Et le samedi, on va dérouler le tapis rouge pour les enfants d'Anomambo.
À Numambo, je veux parler bien sûr de Manaja, de Tino, de Goudé et d'Asalfo, Magic System qui sera là pour le live. Je vais devoir aller plus vite. Voilà, donc vendredi sur la scène, les meilleurs du coupé décalé en live et en playback. Et le samedi, le live de Magic System. Il faut rappeler que l'entrée est gratuite. Je dis bien l'entrée est gratuite. Magic System est arrivé hier, on les aura demain sur le podium. Mais pour l'instant, retenez que l'entrée est gratuite. C'est le vendredi 10, samedi 11 au complexe sportif Gessé Jackson de Yopougon. Et c'est un maquis géant, la nourriture en permanence, des latrines aménagées pour vous, la sécurité garantie, la Croix-Rouge, il faut venir, c'est deux jours de folie, 48 heures d'animation non-stop. Moulou-Koukou, c'est ce que tu veux parler en 15 secondes? Ouais, si je peux. Oui. C'est juste inviter la population de Yopougon à venir faire le choix avec nous au complexe. Vous savez que Moulou-Koukou, c'est... Top, voilà. Vous invite, venez faire un tour. En tout cas, il y aura de l'ambiance, il y aura tout ce que vous voulez. Et d'accord. Puis, bonne année à tous les fans de Moulou-Koukou. Très bien, merci à vous. Tata Marie, téléphone, avec votre permission, les téléphones. Téléphone. Dans ma permission, 22 52 29 60. 22 52 29 60 et c'est à 17h59. Au terme de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Monsieur Achille Eoumon sera notre consultant. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Je ne suis pas fort, mais c'est Dieu qui est fort. Salvador, semble cocorico, le coq qui réveille tout le village. On ne joue jamais avec l'eau qui dort. Je vous suis de près.